Sud Radio, on parle IMO les 48 secondes. Avec Efficiency by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quand on possède ou quand on hérite d'un logement vide, est-il vraiment nécessaire de le louer Bonjour Marc, vous possédez une maison ou un appartement vide, mais vous hésitez à le louer en raison de travaux coûteux, par crainte de loyers impayés ou de possibles dégradations. Sachez que même non loué, ce logement vide reste une source de dépenses. Charge de copropriété, taxes foncières, voire taxes sur les logements vacants pour les zones tendues. Par ailleurs, en laissant ce logement vacant, vous prenez le risque qu'il se dégrade. Faute de chauffage, d'aération des pièces, de détection de fuite ou même qu'il soit squatté. Alors faites vos comptes, il est peut-être temps de le mettre en location. Quelques recommandations cependant. Avant de le mettre en location, il est nécessaire de faire un point sur son état. Il doit être décent, c'est-à-dire exempt de risques pour la santé et la sécurité, et il doit être habitable. Si des travaux sont nécessaires, sachez qu'il existe des aides, comme par exemple le programme Habiter Mieux, qui finance jusqu'à 25% du montant des travaux avec un plafond de 187,50 euros au mètre carré dans la limite de 15 000 euros. Enfin, si votre crainte, ce sont les loyers impayés. Sachez que certains professionnels de la gestion locative comme Foncia proposent une garantie de loyers impayés. Voilà Marc, maintenant à vous de choisir si vous préférez laisser ce logement vide ou le louer. Merci Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Efficiency by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia.